précisément la carte de Washington. Balobi maman mardi né. Maman mardi né. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. Il y a un Congolais, on a dit que les Congolais ont Mesdames et messieurs, bienvenue, vous suivez Face à Face. C'est un nouveau numéro de la semaine, nous parlons actualité, mais vous savez, on va revenir sur l'actualité de la semaine passée. L'actualité a tourné autour des ordonnances du chef de l'État, le contre-saint, l'intérim et bien d'autres. Et puis pour boucler la boucle, le FCC était dans la rue, ils ont parlé d'un plein, et puis Senko qui est allé voir Vital Kamerhe en prison et même promettre de disposer des avocats pour défendre la cause de Vital Kamerhe. On va parler de toutes ces choses avec Roger Lumbala qui est avec nous, politicien, acteur politique, président du RCDN. Voilà, donc il y en a beaucoup, hein, RCD, KMN, RCD, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous, nous vous recevons dans cette occasion pour d'abord revenir sur la question de la dénomination. Le chef de l'État, on va dire comme le FCC dit, le chef de l'État a profité de l'absence de son premier ministre pour contresigner ses ordonnances avec un ministre de son camp, de son obédience politique. Est-ce qu'on va dire que c'est un coup politique ou c'est un coup de maître, comme on dit? C'est de l'insulte. Quand on dit que le chef de l'État profite de l'absence de son Premier ministre, c'est de l'insulte. Moi, je pense que le président de la République a agi conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre dit qu'il n'a pas été informé. On n'a pas à informer le Premier ministre. C'est là où se situe le problème. La fonction du Premier ministre n'est pas liée à Ilunga Ilukamba. À son absence, ou en son absence, il y a quelqu'un d'autre qui devient Premier ministre. C'est ça même le rôle de l'intérim. Donc le président de la République, conformément à l'article 90, alinéa 2 de la Constitution, je préfère vous lire cet article. Ouais, ma question, elle est où, donner mon exemplaire aussi. Pour ne pas avoir de confusion. Alinéa 2. Il est, je vous en prie, allez-y. L'article 90, alinéa 2, il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. C'est la loi fondamentale. Est-ce qu'il est empêché? Je il dis qu'il n'a pas été empêché, il est le Premier ministre de la République. Pourquoi si lui-même, le Premier ministre, ne se sentait pas empêché, pourquoi a-t-il donné, lui, Premier ministre, son intérim à M. Kankonde? Le Premier ministre, je ne parle pas du Président de la République. C'est le Premier ministre qui, de par lui-même, constate son indisponibilité à ce moment-là et lui-même donne l'intérim à celui qui est préséant, en l'occurrence, Kankonde, Gilbert Kankonde. Donc l'intérim défini ici, dans la Constitution,
ne limite pas les droits de l'intérimaire. Ça, c'est la loi fondamentale. Mais le FCC, estime qu'on aurait pu... Le FCC, le FCC ne peut pas estimer. Nous devons nous référer à la loi fondamentale. Voilà pourquoi ils disent que vous voulez imposer la dictature. Parce que vous leur refusez même, même la possibilité de réfléchir. Non, ils ne peuvent pas réfléchir au-delà de la Constitution. C'est quoi ça, aller réfléchir au-delà de la Constitution? Que nous dit la Constitution? Que nous dit notre Bible? Parce que la Constitution, c'est notre Bible. La Constitution nous dit que lorsque le Premier ministre est empêché, il est remplacé par le ministre précédent. La fonction du Premier ministre, comme je vous l'ai dit, n'est pas liée à une personne. Le Premier ministre n'est pas une institution. C'est le gouvernement qui est une institution. Cela veut dire que si le président de la République signe, prend des décisions, ces décisions-là doivent être contresignées dans la logique de l'endossement. Parce que le chef de l'État, dans le système semi-présidentiel, n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. C'est ainsi que toutes les décisions prises par le Premier ministre, par le président de la République, doivent être endossées par le gouvernement. Ce n'est pas seulement par le Premier ministre, par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui ira répondre au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez suivi l'honorable Lokondo? Non, je ne l'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est très grave. Ce n'est pas très grave. Il dit que c'est très grave que le président ait profité justement. Non, pas du tout. Oui. Lokondo, vous voulez lui donner la parole des fois. C'est un député comme tout autre député. Mais moi, je ne me réfère que à la Constitution de la République. Dis-moi, dans cet article 90 alinéa 2, là où l'intérim est limité, nulle part. À partir de ce moment-là, le président de la République, il applique, il respecte cet article-là et il a signé. Mais il y a aussi c'est vrai que vous cachez derrière la Constitution, ou vous appuyez sur la Constitution, mais il y a la décence politique aussi. Il n'y a pas de question de décence. Il y a aussi le bon sens politique. Non, monsieur les journalistes, oui. Dans ces pays, on a toujours piétiné la Constitution de la République. Cette fois-ci, il faut la respecter. C'est la loi fondamentale qui a été adoptée au référendum populaire. Donc c'est la loi du peuple. Mais le bon sens, nous dit alors, la loi. Que faites-vous du bon sens? Est-ce que ça aurait trop demandé? Le bon ça sens, trop demandé le que bon sens ne peut se référer. Le bon sens ne peut se référer. Ne me poussez pas à évoquer de multiples fois où le président Joseph Kabila Kabange avait fait contresigner des ministres alors que le premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze était là, voire même en absence, en son absence. Je ne veux pas faire cette comparaison. Donc, voulez-vous corriger une erreur par une autre? Non, moi je me base uniquement. Je me base uniquement sur la Bible. Si vous trouvez qu'il y a des failles dans notre Bible qui est la Constitution, à ce moment-là, vous me direz, non, monsieur Lumbala, je pense que le président de la République a commis l'erreur. Est-ce que ça serait trop demandé qu'il attende quand même? Non, qu'il attende quoi? Que le premier ministre revienne. C'est lui qui sent la nécessité. C'est lui, en tant que commandant suprême des forces armées, en tant que magistrat suprême, celui qui sent la nécessité à ce moment-là, au-delà de son pouvoir discrétionnaire et de son pouvoir régalien, c'est lui, le président de la République. Vous ne pouvez pas commencer à vociférer autour de ce qu'il a fait pour lui donner des intentions. Pas du tout. Mais nous sommes en coalition, vous oubliez tout. Non, on est en coalition. Il ne faut pas oublier que la coalition, c'est l'aspect politique. La matière dans laquelle le président de la République a pris la décision, c'est les corps qui sont apolitiques. Donc, on ne peut pas injecter de la politique dans l'armée, oui, mais dans la police. On est en coalition. Non, la coalition. On s'entend avant de prendre des décisions. Non, la coalition s'est fait à ce niveau-là, au niveau de la mise en place du gouvernement, de la mise en place au niveau du bureau de l'Assemblée, au niveau du Sénat et autre chose. Mais pour des matières qui sont apolitiques, cela relève de la discrétion du président
de la République. Alors, évoluons, Roger Lumbala. Nous avons les ordonnances sur l'armée, par exemple. Il y a, je ne vais pas mélanger, je vais d'abord disséquer le problème. Prenons les ordonnances de l'armée. Les membres du FCC estiment que c'est aller vite en besogne. On a déjà autant de généraux, en faire encore d'autres, ça commence à devenir assez compliqué. ça me fait rire quand les gens du FCC veulent se mixer dans les affaires de nos armées à nous. Alors que c'est le FCC à l'époque du président Joseph Kabila Kabange qui a nommé des généraux partout. Ce que fait le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que moi je le ferai aussi. Je suis président de la République avec une armée que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut créer une sorte de confiance. Parce qu'aujourd'hui, le haut commandement militaire, l'état-major général, ils ont renouvelé leur confiance au président de la République actuelle, donc Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est de cette façon-là qu'il doit travailler. Parce que c'est lui, leur commandant suprême. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Au Congo, ici, on n'a pas quelqu'un d'autre qui est le commandant suprême des forces armées. C'est le président de la République. Mais vous êtes toujours incapable de retirer les généraux qui sont avec Kabila. De faire quoi? De retirer les généraux qui sont avec Kabila. Retirer comment? Je n'affirme rien, je n'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais il paraîtrait que M. Kabila a encore ses généraux à lui dans sa ferme. Il est avec eux. Bon, s'il a encore ses généraux... Ouais, on parle de deux ou trois, je ne sais pas trop. Oui, mais ça c'est vous qui le dites. Non, j'ai dit que j'ai entendu. S'il a encore ses généraux, pourquoi il se plaigne? Qu'il garde ses généraux. Qu'ils les gardent. Et si on découvre réellement qu'il y a des généraux qui sont encore sous la botte du président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais on va les arrêter, tout simplement. Mais pourquoi les arrêter? Parce que quand vous... Ils ne peuvent pas, ils sont dans l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas être des généraux d'un individu ou d'une personnalité, soit-il président de la République honoraire. Nous ne pouvons pas accepter ces bêtises-là en République démocratique du Congo. Vous dites que ce sont des bêtises, mais on sait tous aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, l'ancien président Kabila a encore la garde républicaine. Si. Ah ben alors, pourquoi il est là? Non. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi a accepté que le président Kabila garde encore la garde républicaine, c'est tout simplement pour sa protection. Parce que vous savez, le président Joseph Kabila est accusé par beaucoup, même la communauté internationale. Vous savez ce qui se passe dans la communauté internationale. Il y a même des ONG qui ont porté plainte au niveau de la CPI. S'il a encore cette garde-là, c'est pour protéger l'ancien président de la République qui, de surcroît, a fait une passation pacifique et civilisée. De l'alternance. Mais pourquoi pas la police? Pourquoi ça serait la garde républicaine? Bon, la garde républicaine, je ne saurais pas vous expliquer. Je ne suis pas Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République actuelle. Je ne sais pas dans quelles conditions il a accepté cela. Je ne sais pas dans quelles conditions il a négocié cela. Mais je dis tout simplement pour ma part, en tant que un ancien politico-militaire, un président de la République, il serait vraiment à l'aise avec des militaires qu'avec des policiers. Vous refusez de parler de rebelle, hein? Non, c'est rebelle. Non. Je n'ai jamais été rebelle. J'ai été révolutionnaire. Avec les sangs des Congolais entre vos mains? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des choses qu'on raconte sur vous, mais qui ne sont pas vraies. Non. Il y a eu des charniers ici à Maluku, les sangs des Congolais. Il y a eu des Bundidia Kongo qui sont morts dans les bas Congo. Il y a eu des Mona, Okasai, là, comme Nansapu et les autres. Il y a des tueries chaque jour ici, dans les plateaux de Minembwe, à Itombwe, un peu partout. Aujourd'hui, là, il y a des Congolais qui se tuent partout. Attention, lorsque les gens avancent cet argument-là, vous savez très bien que Roger Lumbala, chaque matin, je suis à Paris et je reviens ici. Je suis en Hollande, je reviens ici. Alors que les ONG internationaux sont là pour faire des enquêtes
et trouver qui ont des problèmes. Avez-vous déjà entendu le nom de Roger Lumba Lassir dans les sanctions de la communauté internationale? Ça, on parlera de ça tout à l'heure. Non, je vous dis, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Donc, il ne faut pas m'amener dans les discours propagandistes à l'époque où l'on voulait me diaboliser. Parce qu'ici, on voulait absolument diaboliser Roger Lumba Lassir. Il fallait parler de lui. Et ils empêchaient Roger Lumba Lassir de parler. Bon, maintenant que je suis là, vous entendez parler. Les généraux dont on a qu'on vient de nommer, et on a qui, dont le nom se retrouve sur les listes noires de la communauté internationale, des ONG, pour trafic d'armes, pour vente d'armes, ainsi de suite, violation des droits de l'homme, tuerie des gens, mais ces gens-là sont retrouvés là. Et on dit, Félix Tshisekedi a commis l'erreur de remettre à ces gens-là les galons, alors que la communauté internationale, justement, voulait que ces gens-là fassent la prison. Cela relève de son pouvoir discrétionnaire. C'est lui le président de la République, c'est lui le commandant suprême. Il sait faire les choix des hommes. Mais des hommes qui sont accusés. Vous savez, moi j'ai suivi une autre fois, à l'époque, François Mitterrand. Il a dit, dans la vie, ce qui est difficile, c'est d'avoir des amis. Les amis, là, ça ne se décrète pas. Les amis sont des gens de confiance. Si aujourd'hui, le président de la République trouve qu'il peut travailler avec l'un ou l'autre, c'est lui le responsable numéro un. Donc je pense que moi, je ne peux pas porter le jugement de valeur sur ce que le président de la République a fait. Tout ce que j'ai dit, il a agi conformément à la constitution de la République démocratique du Congo et je peux aller beaucoup plus loin. Moi, dans ma logique, je ne peux pas souhaiter qu'un Congolais soit arrêté par la communauté internationale. Je tiens à vous dire que par le passé, notre frère Jean-Pierre Bemba Gombo, lorsqu'il est parti en exil au Portugal, je l'ai suivi. Je suis allé le voir à Faro, c'est une province du Portugal, pour lui dire, mon frère, je suis de cœur avec vous. Alors, lorsqu'il est parti au niveau de la CPI, je ne pouvais pas aller là-bas parce que aller voir un ami que l'on aime, que l'on préfère, dans des conditions d'humiliation totale, je ne souhaite pas. C'est pourquoi je ne suis pas allé là-bas. Mais son père, Jeannot Bemba, ne cessait de me remercier pour ce que je faisais pour son fils. Ah, ça, c'est vous qui le dites, mais on est dans une situation de... Je parle de Tango Fort, par exemple. Bon, on l'a cité dans plusieurs affaires. Mais le président revient sur lui. Bon, il est aujourd'hui à l'inspectorat. Mais la grande... Ou à l'inspection, je ne sais pas comment on appelle ça. Inspection générale. Inspection générale, ok. Il est au niveau de l'inspection. Est-ce que ça arrange l'image de l'armée congolaise quand on sait que les gens ont été cités dans les affaires? Est-ce que vous ne voyez pas d'abord que Tango Fort, quand il a vu que la situation a changé dans notre pays, directement, il s'est débarrassé de Vita Club. Il s'est débarrassé de Vita Club. Cela veut dire qu'il y a un changement en son sein. Il y a un changement en son sein. Peut-être il avait l'argent dans tout ce que vous dites là. C'est là où il pouvait tirer l'argent par-ci, par-là et aller déverser ça dans cette activité sportive. Aujourd'hui, quand il a vu qu'il y a eu un changement, il y a un autre président de la République qui combat la corruption, il s'est débarrassé de cette équipe-là. C'est une façon... ou une première étape dans le changement. Il faut toujours compter sur les hommes. Mais c'est lui qui veut être inspecteur, celui qui veut inspecter l'armée à la fin. Oui. Alors... bon, maintenant, comme il connaît déjà les méandres, je vous ai dit ici que c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Je ne peux pas entrer trop là-dedans parce que je ne sais pas ce qui a poussé le président à faire les choix sur... Est-ce que vous avez suivi la déclaration de John Numbi dans sa ferme? Il parlait aux civils, non autrement identifiés, parce que je ne le connais pas. Il disait à ces gens, partout où Félix Tshisekedi, dans toutes les réunions, Félix Tshisekedi ne faisait que féliciter sa bravoure, parler de lui en bien, mais bon, les jaloux se sont quand même mêlés de la question, au point de ne pas, d'induire le président en erreur. Mais la phrase qui a finalement retenu l'attention de tout le monde, c'est qu'il a dit « il n'est pas agneau, ce n'est pas un agneau ». Alors, quand on n'est pas agneau, on est qui à la fin? C'est-à-dire, on est un loup. Et si on est un loup, qui est agneau?
Non. Si on est loup, il y a un lion. Parce que le lion, lui, il mange les loups. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il n'est pas un agneau, oui. Peut-être, je ne peux pas interpréter sa pensée. Mais je dis peut-être qu'il a dit, je ne peux pas me taire, je dois parler. Peut-être. Pour dénoncer les complots contre moi, les gens qui étaient jaloux contre moi, parce que le président de la République m'aimait, parce que le président de la République vantait mes prouesses. C'est dans ce sens-là que moi je prends ça. Je ne prends pas dans le sens où les gens disent que le général John Numbi menace la République. Ah non, pas du tout. C'est un individu. Il ne peut pas menacer une République. Pas n'importe quel individu, c'est quand même. Non, c'est quand même Numbi. C'est quand même Numbi. Non, qu'il soit Numbi ou qui que ce soit, personne ne peut menacer la République. Même lui, si vous lui posez la question, il vous dira qu'il n'est pas à mesure de menacer la République. Qu'est-ce qui va se passer après? Il paraîtrait, bon, vous savez, les réseaux sociaux, ça raconte tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il va rentrer à Kinshasa? Qu'est-ce qu'il devient à la fin, Il devient qui? Non, il peut rester dans sa ferme. Il est citoyen congolais, il est dans l'armée, parce qu'il n'a pas démissionné de l'armée. Il est dans l'armée et le président de la République, peut-être, il lui a réservé une surprise, comme le président de la République l'aimait beaucoup, appréciait ses prouesses. Peut-être le président de la République lui réserve une surprise et il sera surpris et qu'il sera nommé bientôt à un poste beaucoup plus important aussi. Mais quel est le poste beaucoup plus important quand on a été à son niveau? On ne sait jamais. Mais il n'y a pas, une étape supérieure à celle qu'il a déjà occupée. Mais il n'est pas dit que le général Numbi devait rester là jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas dit. Qui a dit ça? Dans quelle loi dans ces pays qu'on a dit que tel individu, tel citoyen peut rester là-bas jusqu'à la fin de sa vie? Et la nomination des généraux, c'est bien, mais les lieutenants, les capitaines et les autres, pourquoi n'est pas finalement... Je prends un petit cas. À l'époque, je sais qu'il y avait des capitaines qui étaient des commandants de ville. À l'époque, il y avait des lieutenants qui étaient des commandants de, je sais pas moi, des grandes structures, ainsi de suite. Mais depuis un certain temps, les capitaines ne sont que des... On va pas dire petit monsieur, mais il se contente à faire autre chose. Aujourd'hui, le commandant de la ville, par exemple, de Kinshasa, est un général, alors qu'à l'époque de Mobutu, le commandant des villes, c'était des capitaines, c'était des lieutenants, c'était des... Et ainsi de suite. Est-ce qu'on en reviendra sur la question? Il y aura la restructuration de l'armée. Il faut commencer d'abord par restructurer la tête qui doit être en confiance avec le président de la République et le reste suivra. On dit qu'il a nommé beaucoup plus de loups que les autres tribus. Général Tangofor, c'est un Louba. Vous ne le citez que lui, vous ne le citez peut-être beaucoup. Général Mbala, c'est un Louba, le chef d'état-major général. Ces discours-là, les Loubas sont déjà vaccinés. Ils sont déjà vaccinés. Rappelez-vous, Mobutu avait fait le discours quand il désignait Mouluba, c'est toute sa tribu qu'il appelait pour lui dire « Ah, Otié Mouluba, ah, Otié Mouluba !» Mais Mobutu leur disait « Je suis nationaliste, nous sommes déjà fatigués avec ce discours-là. » Vous vous rappelez encore, dans cette ville ici, jamais Mouluba ne prendra le pouvoir. Oye Biango, Oye Biango. Mais aujourd'hui, par la main invisible, d'Adam Smith. Félix, un Mouluba est président de la République. Nous ne pouvons pas aller dans cette logique-là de discrimination. Nous, les Louba, nous avons été discriminés dans les Katanga. Et vous le savez très bien. Alors que nous avons été importés pour aller travailler dans les mines de Katanga. Alors, celui qui a déjà vécu la discrimination ne peut pas faire la discrimination contre les autres. Et c'est la réponse que vous avez, que vous réservez à toutes ces personnes qui pensent que les chefs de l'État... Mais bien sûr, ne placent que les Loubas. Non, bien sûr, dans ces pays, les Katangais sont les Swahilophones. Ils étaient dans ce pays, dans cette ville ici, les Swahilophones. Quand est-ce qu'ils sont arrivés ici? Les Swahilophones, répondez-moi. Non, moi, je vois... Ils sont arrivés avec la vague de l'Est. Ils sont arrivés ici. Mais, et ça, c'est pas discriminatoire ce que vous dites? Non, j'ai dit ceci. Vous rétablissez l'histoire, vous voulez dire? Je donne les faits. Je donne les faits. Mais est-ce que pourquoi voulez-vous corriger une erreur par une autre? Non. Mais c'est ça la grande question. Moi, je ne dis pas que le président Félix n'a nommé que le Louba. Je ne vois même pas le Louba qui sont dedans. J'ai dit tout simplement qu'il a nommé des gens capables de lui faire confiance et de pouvoir travailler, d'être au service de la nation.
On va passer à notre chapitre. Non, non, avant de quitter l'armée, parce que là, quand on voudrait parler de Luba, je me suis rappelé que le cardinal Ambongo, il paraîtrait qu'il avait demandé qu'on puisse déclasser certains experts pour le simple fait qu'ils étaient... Denis Kadima. Oui. Et ça vous a frustré, vous? Oui. Pour la simple raison que le prince de l'église, cardinal Ambongo, ne peut pas se noyer dans cette confusion de l'exclusion. Bon, à supposer, si on n'a qu'un seul expert qui est Luba, donc pour lui, on ne peut pas le mettre avec son expertise parce qu'il est Luba. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, je l'ai dit. Et vous assumez? Vous dites ça parce que... Oui, mais j'assume. Parce que dans ce pays, il a vu Joseph Kabila Kabange, Katangé, Ngoyi Mulunda, Katangé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que le cardinal avait dit à cette époque-là? Il était évêque. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rien. Ça, c'est quel type de discrimination? Ça vient de mon église à moi, l'église catholique universelle. Votre pasteur, donc ça vous indigne? Je suis indigné. Je suis particulièrement indigné. Et comment corriger ça? Mais corriger ça, c'est lui. C'est pas moi. C'est lui. Aujourd'hui, on va revenir sur le dossier de la CENI. Roger Lumbala, vous avez une forte expérience sur l'affaire, la gestion de l'Est, surtout de sa paix et de sa tranquillité là-bas. 220 Congolais ont été décapités. Plusieurs personnes ont été simplement déportées, ils vivent maintenant dans la forêt et c'est des questions assez difficiles. Ce peuple vit déjà dans la disette, dans la pauvreté, ne vivent que de la chasse, des cueillettes, de la cueillette et des petits élevages. Ces gens-là, on ajoute encore à cette souffrance la mort, tout ça. Mais de l'autre côté, il y a des nominations de généraux. On se pose la question, est-ce qu'on ne s'y prend pas mal sur la question? Non, pas du tout. Pas du tout. Le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a trouvé cette situation. Oui ou non? Il y avait toujours l'insécurité à l'est de la République démocratique. Oui, mais un mandat, on ne les prend pas non, pour exécuter. On les prend pour les exécuter. Non, j'ai dit ceci. Oui. Tous ces groupes armés qui existent aujourd'hui et qui sèment la terreur ont existé avant qu'ils ne deviennent président de la République. Oui, mais ça fait 16 mois qu'on est là. Avant qu'ils ne deviennent président de la République, ils ont existé. Nous déplorons. Moi, le premier, parce que je connais c'est quoi? Je connais l'Est. Je sais que l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'insécurité sur la chaîne de Mitumba, qui commence de Fizi et qui tombe au Grand Kivu là-bas, à Butembo. Et cette chaîne-là, vous devez la connaître. Et les sommets les plus hauts, c'est le sommet Kaouzi, qui fait 3 308 mètres. Et puis, le sommet qui le suit, c'est Bienka. Ce qui fait qu'en dessous de ce sommet-là, nous avons le parc Kaouzi-Bienka. Là où se trouvent les gorilles des montagnes, les gorilles des... On appelle en Swahili les maéchés, quelque chose comme ça. Voilà, des plaines et des éléphants. Donc, on connaît la situation qui se passe là-bas. Cette chaîne de montagnes-là, c'est la frontière naturelle que nous avons entre le Rwanda et le Congo, l'Ouganda et le Congo. Donc, les gens qui parlent aussi de la balkanisation du pays, ils ne comprennent pas que cela ne peut pas se faire parce que les Rwandais et les Ougandais ne vont pas pousser cette frontière-là. Il y a eu 220 personnes tuées. 800 maisons brûlées dans 4 localités, 80 vaches emportées, 702 familles sont réfugiées dans la forêt. Qui peut, je dis bien, qui peut accepter cela dans son pays? Et surtout lorsque vous connaissez ces coins-là, comme moi. Ce pays a un président, ce pays a un gouvernement, il a une assemblée nationale et un sénat. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à ces autorités-là? À qui attribuez-vous la faute? La faute, même quand on parle, nous avons le ministre de la Défense qui est du FCC. Il doit travailler. Ah, donc quand ça marche, c'est le président. Quand ça ne marche pas, le ministre doit travailler. Non, non, je dis ceci. Nous avons le ministre de la Défense qui est du FCC.
Les problèmes qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons des groupes armés étrangers qui sont sur notre sol. Des groupes armés, je ne parle pas des pays qui ont fait des incursions dans notre pays. Des groupes armés. Et de ce côté-là, il y a eu beaucoup des FDLR qui sont entrés dans les territoires de Chabunda, dans les territoires de Walungu, à Kalehe, à Mwenga, à Kabare. Dans tous ces territoires-là, il y a des résidus des FDLR qui sont là-dedans. Et plus grave encore, nous avons des FDLR, FNL du Burundi, qui ont fui là-bas, qui sont ici. Le problème est que tous ces gens-là qui fouillent et qui entrent ici, ils doivent à un moment donné négocier avec les villageois. Ils doivent s'entendre avec les villageois, parce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça. Ils viennent, ils doivent vivre, ils vivent de l'exploitation de nos minéraux, et ils vivent de toutes les vaches qui sont de ce côté là-bas. C'est pourquoi nous disons, le président de la République doit prendre des décisions pour envoyer dans ces coins-là les gens qui connaissent. Parce que dans ces coins-là, malheureusement, chaque ethnie, je dis bien, chaque ethnie a son groupe armé. Chaque ethnie a son groupe armé. Nous avons plus de 61 groupes armés, ne fût-ce que concentrés au niveau du Sud Kivu. Des Congolais ? Oui, des Congolais. 61 groupes armés ? Plus de 61 groupes armés, des Congolais uniquement. Des Congolais uniquement. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons un grand travail à faire. Alors, les Ngomino sont qui, finalement ? Les Ngomino ou les Ngomino ? Les Ngomino, c'est le groupe armé de nos frères Banyamuleng. Les Banyamuleng, dont la nationalité, on doute un peu ? Non. Moi, je n'entre pas dans la logique de douter de leur nationalité. Ils sont Banyamuleng. Vous avez vu même le colonel Charles Rukunda qui a fait défection dernièrement. Bon, il a fait défection dans les forces armées congolaises pour aller dans un des groupes de Ngomino pour les diriger. Parce que Ngomino se sont scindés en deux groupes. Il y a un groupe qui dépend totalement des pays étrangers. Moi, je ne vais pas citer les noms de certains pays ici. Et il y a le Ngomino de nos compatriotes, toutes qui eux disent que nous sommes des Congolais. Nous ne voulons pas l'immixion yaba étranger dans Makamunabiso. Eux-mêmes sont des Tutsis qui disent Congolais ? Si, non, ils sont Congolais. Ah, vous affirmez qu'ils sont des Tutsis Congolais ? Mais ils sont venus avant 1960, mon cher ami. Constitutionnellement, ils sont Congolais. Voilà. Culturellement, sont-ils Congolais ? Mais combien de cultures nous avons dans notre pays ? Ouais. Combien ? C'est pourquoi Mobutu les a résumés en quatre. En quatre communautés. Les Luba, les Bangal, les Baswahili et les Bakongo. Sinon, on serait plus de 400. Oui, donc, les Tutsis parlent qui alors ? Ils parlent pas le Swahili, vous le savez. Si, les Tutsis parlent le Swahili et ils parlent le Kenya-Rwanda. Oui, le Kenya-Rwanda, ce n'est pas une langue congolaise. Ah, alors que Congo qui est parlé au Congo-Brazzaville, de Balari. Oui. Mais vous avez appelé ça Balari. Chez nous, les Kenya-Rwanda parlent. Non, ce sont des Bakongo. Ils sont Bazombo. Ils sont là-bas. Oui. Oui. C'est comme eux aussi, ils sont des Banyamuleng de chez nous. Oui, mais ils parlent quelle langue ? Le problème, en fait, c'est vrai que ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais les gens veulent savoir aujourd'hui. Oui. Les Luba, on sait tous que le Luba parle le Luba. Oui, les Chiluba. Nous, les Bangala, on dit que nous parlons le Lingala. Mais eux, les Tutsis, ils parlent quelle langue chez nous ? Non, ils parlent la langue qu'on appelle le Kinyarwanda. Qui n'est pas répertoriée parmi nos langues. Si, ça fait partie de nos langues. Comment ? Parce que cette langue-là, Kinyarwanda, est parlé dans presque tous les Rutshuru. Alors que les Rutshuru, c'est un territoire de la République démocratique du Congo. C'est une langue qui est parlée dans les Masisi. C'est vrai que dans les Masisi, il y avait des Rwandais qui sont partis là-bas à l'époque aussi, avant 1960. Mais je dirais tout simplement que ce n'est pas ça ce qui est important. Dans un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas avoir un discours discriminatoire. Ouais, peut-être un discours de rétablissement de vérité. Non, ça ce n'est pas l'établissement de vérité. Sinon, on va recourir maintenant à la conférence de Berlin. On va recourir à beaucoup de choses. Ce qui n'est pas important. Ce qui est important pour moi, à partir de 1960, nous avons un pays qu'on appelle
la République démocratique du Congo. Dans ces pays-là, nous avons les Bayaka, nous avons les Bachilélé, nous avons toutes les autres communautés qui ne sont pas connues. Oui, mais puis après, mais... il y a eu des incursions après 1960, vous le savez. Il y a la vague de 90, il y a la vague de 96, il y a la vague de 2002, puis il y a les frontières poreuses. Vous avez toutes les personnes qui rentrent chez nous et qui s'établissent, qui disent qu'ils sont Congolais, ça reste là. Mais c'est comme les compatriotes qui quittent l'Angola pour venir ici. Les compatriotes qui quittent... Bon, eux, ils ne veulent pas prendre notaire, c'est pas un problème. Vous êtes... Mais les autres veulent prendre notaire. Non, vous êtes de l'Équateur. Oui. Vous êtes de l'Équateur. Oui, Congolais d'abord. Il n'y a pas de Yakoma en face là-bas. Mais ils ne prennent pas notaire. Ils ne prennent pas notaire. Non. Ils viennent, on le reconnaît qu'ils sont comme ça. Mais le comble avec le Tutsi et les autres, c'est qu'ils veulent prendre notaire. Non, pas du tout. Ils veulent prendre notaire comment? Je vous ai dit qu'il y a une forêt, il y a une montagne naturelle. Qui est les montagnes de Mitumba. Ils ne peuvent pas pousser la montagne de Mitumba. Comment viendront-ils prendre? C'est pourquoi moi je vous dis, parce que vous ne connaissez pas là-bas. Si, je connais. Je suis né là-bas. Peut-être que vous connaissez un peu. Oui, d'accord. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de possibilité pour que quelqu'un puisse pousser une montagne. Non, mais occuper la montagne, oui, pas pousser, mais non, 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 ils occupent la montagne. Est-ce que vous savez, même au niveau de Bunagana, oui. Au sommet de la montagne, commence déjà le Rwanda. Au sommet. Donc nous partageons en fait. Le blanc, au niveau de la conférence de Berlin, il s'est basé sur des rivières, il s'est basé sur des montagnes, il s'est basé sur des volcans pour délimiter des frontières. Ouais, ouais. C'est ainsi que sur une même colline, d'un côté c'est le Congo, de l'autre côté c'est le Rwanda. Exact. Donc ils ne peuvent pas pousser. Je connais là-bas et j'ai garanti. Les citoyens congolais qui nous suivent, à ce moment précis, qu'aucun seul iota de la République démocratique du Congo ne quittera pas nos terres. Ce sont des phrases que les gens voudraient entendre plusieurs fois pour les rassurer, parce qu'il y a des gens qui vivent dans la peur, ils écoutent dans les réseaux sociaux, bah, Tekimbo Kanabino, surtout ceux de la diaspora qui communiquent ça dans les réseaux sociaux, vous savez de qui je parle. Ce sont eux finalement les chantres de cette histoire de balkanisation, et ça fait quand même assez peur. On va poursuivre finalement, mais... Comment mettre ces familles-là à l'abri, Roger Lumbala? 80 vaches, ça, c'est... 800 800, pardon, 800 vaches. Mais 800 vaches, c'est une grande ferme, mais c'est plutôt une économie locale qui, finalement, part en feu. Je pense que le président de la République, qui de surcroît à la première dame qui fait partie de cette province-là, et plus précisément... de la de ces territoires là presque, parce que je pense que madame elle est de Walungu, Walungu, mais Uvira n'est pas loin. Oui. Uvira est juste à côté. Donc le président est leur beau-frère, on va dire beau-fils ou beau-frère, quelque chose comme ça. Beau-fils, hein, voilà. Il a intérêt à régler ces problèmes là avec ses généraux, avec ses services de renseignement, avec des hommes capables d'aller discuter avec ces gens-là, comme de Roger Lumbala, comme d'autres. Je ne dis pas que je suis le seul. Mais je dis que ma connaissance peut me permettre d'aller pour discuter avec ces gens-là et trouver des solutions. Mais il y a un problème, monsieur le journaliste. Depuis 2019, le M23 a été chassé par... la force d'intervention rapide des Nations Unies, le gouvernement de la République et le M23 ont signé un accord de paix à Nairobi. Le gouvernement de la République a signé l'amnistie ici. Il fallait maintenant des mécanismes pour permettre à tous ces combattants-là de revenir en République démocratique du Congo. Mais ça fait 7 ans que ça dure. On n'est pas à mesure de régler ces problèmes-là. Si aujourd'hui, les enfants, heureusement qu'eux, ils sont une partie au Rwanda avec notre frère Jean-Marie Runiga, que vous connaissez bien, le bishop, et une autre partie qui est au Rwanda avec Bertrand Bissimwa. Mais dans la zone... Vous avez appris que les FRDC se sont battus avec un groupe. On ne sait pas quel groupe, parce que les FRDC eux-mêmes n'ont pas désigné les groupes avec lesquels ils ont fait la guerre. C'est pour vous dire tout simplement que
Il faut accélérer, le mécanisme de la prise en charge de tous ces gens-là qui quittent les groupes armés ou les mouvements révolutionnaires pour qu'ils viennent ici à Kinshasa. Est-ce que cette configuration présentée par le président est une panacée à ce problème? La configuration de quoi? De l'armée, avec les nominations. Mais bien sûr. Quel est l'objectif du président de la République? C'est de trouver des solutions à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons trouver des solutions. À Djougou, avec Kodeko, il n'y a que des tueries chaque jour. À Beni, à Boutembo, un peu partout. Nous ne pouvons plus continuer à être à l'aise. C'est pourquoi moi je suis l'homme de la révolution permanente. Je ne peux pas accepter que une partie de mon corps soit malade. Vous serez prêt à reprendre les armes si... Non, reprendre les armes, moi j'ai déjà abandonné les armes. Je suis là pour une révolution pacifique. Pensez-vous que vous allez réussir cette mission de la révolution pacifique? Quand on sait que Tshisekedi a fait ça à 32 ans, il n'a jamais eu le pouvoir, plus de 32 ans même. Il n'a pas eu toujours le pouvoir. Non, pacifique, ce n'est pas dans le sens d'aller combattre les pouvoirs qui est en place. J'ai dit tout simplement qu'aller négocier avec les amis qui sont là-bas, les écouter. Mais ils veulent quoi? Est-ce que pouvez-vous nous dire, pouvez-vous avoir l'idée de ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent pour arrêter cette tuerie-là? Mais il faut parler d'abord avec eux. Comment puis-je vous dire ce qu'ils veulent alors que je n'ai pas parlé avec eux? Mais vous pouvez imaginer. Non, on n'a pas... Vous pouvez déduire. Non, dans cette matière-là, on ne déduit pas. Dans cette matière-là. Okay. Comme je vous ai dit que chaque groupe ethnique a son groupe armé. Donc, il faut aller voir pourquoi ils ont le groupe armé. Pour se sécuriser, certainement. Voilà. Pour se sécuriser contre qui? Contre les groupes armés étrangers. Exact. Et voire même contre nos forces armées. Exact. Donc, à partir de ce moment-là, il faut aller... Écoutez, groupe par groupe, nous allons trouver la solution. Vous donnez combien de temps si jamais le président s'implique convenablement en envoyant des gens comme vous, comme les autres, comme bien d'autres personnes qui connaissent la question? 6 mois. 6 mois maximum. 6 mois au maximum, on peut régler la chose. Vous allez démobiliser les ethnies qui ont des groupes armés? Mais bien sûr. Est-ce qu'ils accepteront? Bien sûr, si les ethnies se sentent en sécurité, pourquoi ils garderont... donc l'État doit garantir la sécurité à chaque groupe? Mais bien sûr, non, pas à chaque groupe, à chaque citoyen congolais. L'État doit garantir la sécurité des personnes et des biens, la circulation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, de tout un chacun des... Est-ce que le problème, ce n'est pas des mines là-bas? Est-ce que le problème n'est pas, essentiellement un problème des mines? Les mines, là, interviennent au moment où les forces étrangères qui viennent dans notre pays doivent survivre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nos minerais. Est-ce qu'ils vous laisseront, vous, régler vos problèmes? Est-ce qu'ils vous laisseront, vous, contrôler vos mines? Est-ce qu'ils vont vous laisser le faire? Ce n'est pas un problème de contrôle des mines. Mmh. C'est un problème de sécuriser les territoires congolais. Quelle est la mission de l'armée congolaise? Ce n'est pas de rester dans des camps. C'est d'aller se battre pour préserver l'intégrité territoriale. Devant une guerre asymétrique? La guerre devient asymétrique lorsque vous ne la comprenez pas. Ah d'accord. Donc il faut comprendre la question. Il faut comprendre la question avant d'aller à la guerre. Autrefois, j'avais vu toutes les déclarations intempestives que les gens faisaient ici. Voilà, les FARDC vont commencer la guerre à l'Est. Ben, j'avais dit que ça ne va pas se terminer comme ça. Et vous avez constaté que après que les FARDC aient commencé la guerre, il y a eu la recrudescence de l'insécurité à l'Est de la République. Parce que vous faites la guerre à qui? Vous faites la guerre aux fils du village. Qui, au moment où vous vous préparez, lui, il vous voit. Il vous observe. Et puis, la nuit, il rentre en brousse pour aller dire à ses frères là-bas, voici ce que j'ai vu. Donc, il faut d'abord comprendre. Il faut qu'il vous fasse confiance. Donc, il faut changer le paradigme. Il faut changer, certainement ça. Il faut changer la méthode de travail. C'est pourquoi je ne cesse d'implorer. Je l'avais dit aussi au président Joseph Kabila Kabange en son temps. Parce que je le répète. Et aujourd'hui, je l'ai dit au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi,
que pour trouver des solutions à l'Est, nous devons trouver, d'abord, nous devons trouver des solutions à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pour trouver ces solutions-là, voici comment faut-il procéder. Et là, vous allez le dire lui-même. Mais c'est ça ce que j'ai dit ici. Je pense qu'ils vous suivent oui, au niveau de la présidence. Je crois aussi. Je crois. Aussi, ben, suivre et puis appliquer, c'est autre chose. Maintenant, on va terminer le débat, mais prenons l'actualité. Le FCC était dans la rue après l'UDPS, après la Mouka. Ils ont dit qu'ils ont fait une marche civilisée, pas de dégâts, en soutenant les institutions de la République et la Constitution. C'est ce qu'ils ont dit. Et puis, peu à peu après, hier, Némi Mulanya et bien d'autres sont sortis pour dénoncer des cas de violence, des cas de violation de droits de l'homme. Il paraîtrait qu'ils sont allés même saisir le Human Rights Watch pour signaler des cas de dictature. Comment vous avez suivi? Quelle est votre analyse sur la question? J'ai vraiment mal au cœur quand je vois que ce sont ces compatriotes qui ont fait fuir Moïse Katumbi Tshiapo ici. Ce sont ces compatriotes qui ont mis en prison Jean-Claude Muyambo, qui ont mis en prison Franck Diongo, Domi Ndongala et consorts. C'est à cause d'eux que moi je suis allé en exil. Moussa Nyamwisi, général Mounene. Est-ce que vous entendez encore parler du général Mounene? Il est ici en face à Brazzaville. Il a fui le régime. Et c'est eux aujourd'hui qui déclarent qu'il y a la dictature dans notre pays. Non, c'est un discours qui le prépare pour autre chose. Thabo Mbeki vous a traité tous des bandits. Il a dit que vous étiez des bandits. Katumbi était bandit, Franck Diongo était bandit, Diomi Ndongala était un petit violeur. Et bon, vous, je ne sais pas si vous a traité de quoi. Mais en tout cas, il avait des qualificatifs pour traiter tous ceux qui s'opposaient au régime dans le temps. Donc, à leurs yeux, vous n'étiez que des gens qu'il fallait mettre à l'écart. J'ai beaucoup de respect envers Alexis Thambo Mwamba. Nous avons fait un petit parcours ensemble. Lui, il sait. Et nous avons signé un document à 50 membres fondateurs. Il le sait. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'entrer dans ça. J'ai dit tout simplement que c'est déplorable que ce compatriote du FCC puisse faire ce type de déclaration. Et vous avez oublié une chose. Vous savez, il y a l'abbé Chollet qui est allé rendre visite à Vital Kamerhe. Oui, ça, on reviendra. Il y a lui et le FCC. Donc, il y a la CENCO, l'abbé Chollet, puis le FCC encore une fois. Et il faut rappeler que l'ex-première dame était allée voir la femme de M. Kamerhe. Alors, si on fait le raccordement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est ça. Il y a un divorce, même si le président de la République ne le reconnaît pas. Mais dans un divorce, il y a un processus. Et là, nous sommes dans le processus ou dans l'étape de la séparation des corps. Il y aura divorce entre UDPS, FCC, et UDPS, UNC. Bon, maintenant, il y a des dossiers qui fâchent. Le premier dossier, c'est le dossier Malonda. Le deuxième dossier... Le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, comment il a démissionné, qu'il a facilité d'aller en Belgique et qui va nommer. Le troisième dossier, c'est celui de Tunda. Qui veut le remplacer? Qui veut remplacer Tunda et pourquoi il a démissionné. Le quatrième dossier, c'est la mise en place au sein de l'armée et de la magistrature. Tous ces dossiers-là échappent au FCC. Le FCC qui pensait que Félix Antoine Tshilombo était l'agneau, il est devenu aujourd'hui non pas un lion. Le FCC, maintenant, doit se rapprocher de quelqu'un. Il doit aller chercher du renfort. C'est ainsi que vous avez vu Madame Olive Lembe qui est allée voir la famille biologique de Monsieur Vital Kamerhe. Le réconforter. Madame Vital Kamerhe, Amida Chatur, allez voir Joseph Kabila Kabange. Naomi Mwilani et Norbert Basiangezi Katintima sont allés au niveau de la prison, Makala. Pour aller voir Kamerhe. C'est un rapprochement qui se fait entre le FCC et l'UNC. Et vous allez voir que quand il y aura le divorce,
tout ce qui se passe maintenant, tous les membres de l'UNC qui ne parlent pas, parce que maintenant ils ne parlent pas, ils ont le profil bas. À ce moment-là, ils vont commencer à parler. Donc, il appartient au président de la République de savoir que demain, il aura un morceau dur parce qu'il sera seul. Bon, maintenant, le président de la République, l'IDPS, peut-il se rapprocher de la MOCA? Oui. Il ne peut obtenir que l'adhésion de M. Jean-Pierre Bemba. Parce que, avec le problème qu'il a eu au niveau de la CPI, seul le président de la République peut essayer de régler son problème autrement. Oui, mais est-ce que... Mais tandis que... On peut régler le problème d'un prochain rival. C'est assez compliqué. Régler le problème de Bemba, remettre Bemba dans la course électorale, non, c'est faire d'un adversaire politique. Non. Pas régler les problèmes électoral parce qu'il est condamné. Oui. Jean-Pierre Bemba est condamné. Oui, donc, mais la loi électorale, si on la change, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Non, pas du tout. À partir du moment où vous n'avez pas un casier judiciaire vierge, vous ne pouvez pas vous présenter. Oui, mais c'est la disposition de la loi électorale. On peut la changer, cette disposition-là. Non, on ne peut pas la disposer. Sinon, on aura tous les criminels avec nous. Oui. Mais le président de la République actuelle peut faire de Jean-Pierre Bemba Premier ministre. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Donc, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, avec le MLC, donc une partie de la MOCA peut s'allier à Félix Tshisekedi. Mais la force de Tshisekedi maintenant, c'est dans la base de la République. Parce que la République, les citoyens congolais, avec tout ce qui se passe ici, fait confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc la base de la République peut mettre en mal, même si l'UNC et le FCC se mettent ensemble, moi, ça ne peut pas poser de problème. Alors faisons un calcul autrement. Est-ce que pourquoi excluez-vous Martin Fayulu dans l'hypothèse de rapprochement avec Félix Tshisekedi? Vous l'avez omis? Non, je n'exclus pas. Ah, d'accord. Mais les positions de Martin Fayulu nous ont montré peut-être qu'il ne peut pas fléchir. Mais sinon, ben... Mais le discours a changé un peu, on dirait. Bon, s'ils peuvent se mettre ensemble, moi, ça ne pose pas de problème. Mais j'ai dit tout simplement que nous sommes dans un processus de divorce. L'UDPS va divorcer avec le FCC, l'UDPS va divorcer avec l'UNC. L'UNC et le FCC vont se mettre ensemble. Il appartient à l'UDPS du président Félix Tshisekedi de se trouver aussi des alliés. Est-ce qu'il est possible de trouver une autre majorité autour de Félix Tshisekedi? Et bien sûr. Comment ça peut se passer? On peut, si le Premier ministre démissionne, ouais. Si l'actuel Premier ministre démissionne, le président de la République va nommer un informateur. C'est cet informateur-là qui va aller auprès de partis politiques qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale pour dégager une majorité. Qui peut être l'informateur selon vous? Le profil? Ça doit être qui? Non, ça doit être quelqu'un de quel type? C'est quelqu'un... Un chef de parti? Non, c'est quelqu'un dont le président de la République fait confiance. Oui, mais est-ce qu'il doit avoir un parti politique? Il doit avoir une personnalité? Il doit avoir un charisme? Mais bien sûr, ouais. Bien sûr. Il doit être... Bon, on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas le milieu politique non plus. Il faut quelqu'un qui connaît le milieu politique, qui connaît comment faut-il parler avec des politiciens, qui connaît qui sont des politiciens qui sont versatiles ou pas, tout ça. Est-ce que vous pensez que Bemba peut faire ce rôle? Non, mais j'ai dit tout simplement, c'est de la discrétion, du pouvoir discrétionnaire du président. Il y a des gens qui pensaient que Cardinal Ambongo pouvait le faire, Non. On ne peut pas continuer à mêler l'Église dans les affaires politique. Moi, je préfère plutôt que l'on puisse, s'il y a possibilité, désigner Monseigneur Laurent Mosengo Passigna comme président de la CENI, ou soit le docteur Mukwege, ou soit le professeur Tshibango Tshishiku que vous connaissez, ou soit Mabi Mulumba. Ce sont des personnalités intègres que moi... Et crédibles que nous avons dans ces pays. Je pense que peut-être de votre côté, vous avez... aussi d'autres personnalités que moi j'ignore. Très bien, mais je crois que ça doit aller comme ça. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la majorité qui doit entourer le président de la République, est-ce que vous pensez par exemple, avec Bati Lukwebo, Katumbi, Bemba, vous et bien d'autres, la société civile, les mouvements citoyens,
Quelle est l'architecture de cette majorité parlementaire, de cette majorité présidentielle? Vous savez, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une majorité parlementaire au Parlement. Oui. Mais sur terrain, la population s'est exprimée à l'encontre de cette majorité-là. Oui, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus compter sur la majorité parlementaire. Aujourd'hui, nous avons la population qui protège les intérêts de la République. Le chef de l'État, il peut obtenir, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, si le Premier ministre démissionne, il peut dégager une majorité dans le sens où il peut parler avec Jean-Pierre Bemba Nkombo, il peut parler avec Moïse Katumbi Tshapwe, il peut parler avec Martin Fayoulou, il peut parler avec tous ses amis qui ont été avec lui à Genève, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de grands différends à Genève. C'était un problème de choix. Ils peuvent se remettre ensemble, s'ils se mettent ensemble et ils ajoutent Bahati Lukwebo. Je pense qu'ils vont dégager une majorité. Comment récupérer l'Est après le départ de Vital Kamerhe? Vital Kamerhe n'est pas le seul qui est populaire à l'Est. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Mouchi Bonane, qui est un député honoraire et qui était ministre de la recherche scientifique, qui dit qu'à l'est de la République, plus précisément dans le sud du Kivu, il est beaucoup plus populaire que Vital Kamerhe. Ça, c'est lui qui l'a dit. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont là-bas capables de pouvoir contrer les vagues ou la vague des hommes de Kamerhe. Est-ce que, alors, Kisangani, qui semble être un électron libre, avec pas nécessairement un très grand leader, vous avez parlé de l'Est, on a vu Bahati Lukwebo, on a vu Kamerhe, on a vu M. Munana, donc, dont vous parlez tout à l'heure. Le Kasaï, on va dire, bon, il est déjà président, on peut rester. L'Équateur, vous parlez de Bemba, c'est bien. Le Katanga, vous parlez de Moïse Katumbi. Non, il y a aussi Mokia. Oui, hein, oui. Il faut, Mokia, il faut pas oublier. Mais bien sûr. Il est de la diaspora de l'Équateur, il n'est pas de l'Équateur. Alors, mais est-ce que vous pensez que comment faire pour récupérer par exemple Kisangani, la province orientale? Comment on fait pour récupérer? Avec qui il faut pactiser? À Kisangani, il est difficile depuis des années. Oui. À l'époque, c'est le Nenda Kabika, oui, qui fut grand là-bas, oui. Lengema Doulia, mais depuis un certain temps, le leadership au niveau de la province orientale n'est pas bien dessiné. N'est pas bien dessiné. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Je dis tout simplement que c'est un peuple très hospitalier. C'est ce peuple-là qui avait accueilli Antoine Gizenga, rappelez-vous. Oui, oui. C'est ce peuple-là qui avait accueilli Roger Lumbala. C'est ce peuple-là qui avait accueilli Jean-Pierre Bemba. Oui. Donc, c'est un peuple hospitalier avec lequel nous devons réellement travailler en République démocratique du Congo. Je suis convaincu, pour ce que moi, je sais, si aujourd'hui nous battons réellement campagne là-bas, le président Étienne Tshisekedi a été fortement accueilli là-bas. Je ne vois pas pourquoi ce peuple-là ne va pas accueillir aussi le fils du président Étienne Tshisekedi. Et le Bandundu, comment on fait pour récupérer? Comment vous faites pour récupérer le Bandundu? Pour les Bandundu, moi je pense que si Olivier Kamitatou est avec Moïse Katumbi Tshapwe, je vois que Kinkei Mulumba, Damasi Manimba, il est avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y a toujours des acteurs politiques que nous connaissons, avec qui nous avons des relations et qui peuvent battre campagne là-bas pour récupérer. Mais ce qui est beaucoup plus important aussi, il appartient au président de la République actuelle pendant son mandat, qu'il fasse des réalisations qui vont permettre à la population de lui faire confiance. On termine avec la question de Katumbi. Voyez-vous Katumbi et Kabila se rapprocher? Bien sûr, ils peuvent se rapprocher parce qu'il y a la communauté katangaise qui pèse beaucoup. Oui. Il y a la communauté katangaise qui rappelle chaque fois à Moïse Katumbi qu'ils sont en train de perdre le pouvoir et qu'il faut qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils récupèrent le pouvoir. Ce qui est dans leur droit. Est-ce que cette fibre peut marcher? En fait, cette carte peut-elle marcher?
cette carte peut marcher s'il y a beaucoup de gens, d'autant plus que l'essentiel des richesses de Moïse Katumbi, se situe dans les Katanga. Donc, pour protéger ses biens, je pense qu'il peut accepter cela. Mais cela dépend de lui. Aujourd'hui, pouvons-nous croire à un Congo grand autour des valeurs, pas autour des hommes? On ne peut pas croire à un Congo sans des hommes. On ne peut pas croire à une France sans des hommes. On ne peut pas croire aux États-Unis d'Amérique sans des hommes. Dissocier les Congos et les hommes serait une erreur monumentale. Il faut toujours l'alliage des deux pour que l'on dise « Ah, il y a un grand Congo lorsqu'il y a un grand président ». Rappelez-vous, à l'époque de Mobutu, tous les autres pays respectaient notre pays parce que Mobutu se présentait comme un grand en Afrique et à travers le monde. Donc on ne peut pas dissocier le Congo à des personnalités qui gèrent la République. Aujourd'hui, on nous redonne un peu confiance parce que, tout simplement, le président Tshisekedi a entamé la lutte anticorruption. Et tout le monde a vu que le directeur de cabinet d'un président de la République, cela ne s'est jamais fait en Afrique. Mais Sonko n'est pas d'accord. Sonko n'est pas d'accord avec... Il pense que c'est un acharnement. La Sonko n'est pas d'accord. Oui, qui a dit que la Sonko n'est pas d'accord? Mais parce qu'elle veut... La Sonko veut donner des avocats pour défendre Vita Kamerhe. Mais cela veut dire que la Sonko veut que les gens continuent à voler la République. Non, mais... La Sonko ne veut pas de la justice indépendante. La Sonko ne veut pas de la lutte anticorruption. C'est ça ce que vous voulez me dire? Non, je ne dis pas. Si c'est ça la Sonko, moi je dis non. Oui, mais alors... La Sonko est là pour prêcher. Oui, mais... Pour prêcher et pour convertir les foies égarées. Quand elle vous a accompagné en politique la fois passée, c'était pas mal. Hein? Mais aujourd'hui... Accompagné comment? Accompagné comment? Mais elle vous a aidé pour descendre dans la rue, pour faire les marches, pas de transition sans Kabila, obtenir ceci, départ de Kabila. Mais ils vous ont aidé. Mais quand on a laissé la Sonko faire les CLC, faire... Ça marche, ça n'avait pas marché. C'était les militants de l'UDPS qui marchaient. Vous désapprouvez la démarche de la Sonko de donner des avocats à Vital Kamerhe? La Sonko est libre. Mais tout ce que moi j'ai dit, dans notre pays, il y a la constitution consacre la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État. L'Église est là pour prêcher et l'État est là pour faire sa mission. Alors, si maintenant la Sonko commence à se mêler dans les histoires de l'État, c'est que c'est l'État, peut-être les hommes de l'État, qui ont poussé les hommes de l'Église à s'y mixer dans les affaires de l'État. Et moi, je suis contre. Vital Kamerhe sortira-t-il de prison? Je souhaite qu'il sorte de prison. Comment ça? J'ai dit tout simplement, Vital, j'ai eu des relations personnelles avec lui. Il fut mon président de l'Assemblée nationale au moment où j'étais président du groupe parlementaire. J'avais des relations avec lui. C'est un homme bien. J'ai eu à une fois aller au deuil de son neveu. Une ou deux fois, il est passé chez moi à la maison. Ce sont des relations qui se tissent comme ça. Alors, le voir dans ces conditions-là, moi, ça ne me fait pas... ça, je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qui va se passer? En tant qu'humain, je ne suis pas content. Je pouvais conseiller à ce qu'on lui arrache ce qui est soupçonné comme étant le butin de tout ce qui s'est passé. Et puis, lui donner 5 années de prison avec 10 ans d'interdiction de droits civiques. C'est humain, ce que j'ai dit en tant qu'humain, parce que je ne peux pas, quand je le vois là, il venait juste de fonder une famille, famille avec son épouse. C'est quand même tragique. Hein? Et ça, un père de famille comme moi ne peut pas tolérer, ne peut pas accepter. Mais la justice est là. Moi, je laisse la justice faire son travail, mais j'ai dit, si... L'instance, là où se trouve maintenant le pro... La cour d'appel. La cour d'appel. Peut avoir l'humanité
Je ne parle pas de la justice. Je parle de l'humanité. De rabattre ne serait-ce que la peine à 5 ans. À 5 ans ou 10 ans peut-être. Ou 10 ans. Et puis, si c'est un problème politique pour l'empêcher de ne pas se présenter, ben, on lui interdit de postuler ou de voter pendant 10 ans. Là, et puis on le laisse à la liberté. Voilà. Bon, ça, c'est mon point de vue. Et puis, c'est un point de vue qui n'a rien à voir avec la loi, qui n'a rien à voir avec le qui n'a rien à voir avec la loi. Oui. Je respecte la loi. Oui. Attention, que les gens ne viennent pas me dire « Ah, Roger Lumbala, à l'objet que... bah, juge, c'est ça qui m'a fait. » Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que ce que les juges ont fait, ils ont fait. Mais moi, en tant qu'individu, ayant des relations avec l'homme. Mais attention, depuis qu'il était devenu directeur de cabinet, « Azawa Yamassou sur ma téléphone, n'en gâte. » Mais cela ne veut pas dire que pas Adalaki ko yamba sous ma téléphone était ndeyo okele mawate. Ah non, moi je reste humain. Très bien. Je reste humain. Merci beaucoup Roger Lumbala, je rappelle que vous êtes le président de RCDN. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais nous n'avons pas parlé des francs congolais. Oh là, oui, c'est vrai. Je crois qu'on en parlera un autre jour. Mais si vous pouvez en parler en une ou deux minutes, mais ça va être long, certainement. Oui, ça va être long. C'est intriguant. Si j'en crois revenir plus tard, voilà. je vous opposerai un tweet qu'on attribue au professeur Mabimou Lumba, qui estime que les gens qui accusent, Félix Tshisekedi l'accuse à tort, parce qu'on a connu des dépréciations beaucoup plus importantes à hauteur de 400, 300... Je l'ai lu. Ouais. Le professeur Mabimou Lumba a dit ceci. Est-ce vrai ou si c'est son tweet à lui? Oui. Ah d'accord. Il a dit ceci. Il ne faut pas oublier que c'est Mouzé qui a émis les billets des francs congolais. Oui. Il a changé les Zaïre monnaie en Zaïre, en francs congolais. Un, d'abord. Le franc congolais, quand il est sorti, 1 dollar était 1,3 francs congolais. Au moment où on a tué Mouzé, donc en 2001, le franc congolais, 1 dollar faisait déjà 311 francs congolais. Donc il y avait déjà une dépréciation de plus de 300%. Joseph Kabila Kabange, président de la République en 2001 jusqu'en 2018, il arrive. Il trouve un franc congolais à 311 dollars. Non, 1 dollar à 311 francs congolais. En 2018, quand il quitte, il laisse 1 dollar à 1650 francs congolais. Une dépréciation. Donc, terrible. Une dépréciation de plus de 450%. Plus de 450%. À l'heure actuelle. Il y a un dépassement, une dépréciation de 16, quelque chose comme il ça. Il y a une dépréciation de 19%. 19%. Qui est due à quoi? Tout le monde sait. Covid. Le Covid ici a arrêté la machine économique mondiale. Et nous aussi, de notre côté, avec notre économie qui était fragile, nous ne pouvons pas résister. C'est ainsi que vous avez vu cette dépréciation. Très bien. Mais quand on va relancer maintenant, quand on va... relancer les exportations, quand les sociétés qui sont dans notre pays, les entreprises vont faire venir les devises, je pense que... Ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser. Merci, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir de recevoir Roger Lumbala. On va reparler un autre jour, certainement, sur autre chose, en actualité. Merci d'avoir été nombreux. Comme on dit toujours, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Malobi, maman Marthe, Nde. Maman Marthe, Nde. Malobi, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko, il y a un congolais. On dit que les gens ont un salon. Bon, la Corée, la Yon, comme bon de la Yon. Bon, la Toto, la Yon, comme la Yon. Bon, comme bon de la Yon. Malobi, bio. Bio Africa Union et tout à fait, la machine, sinon vous voyez pas, sinon vous voyez rien. Vous ne voyez pas, 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 vous ne et ça, on y a un appétit. Oh, maman, mal.
Bon, va t'en comprendre, vérité. Mawa. Va congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Bon, à Colian, à Pino Moko. Va quoi, les radios, Colian, à Averti. Oh,